Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas, ça super, super moment bien. On se retrouve aujourd'hui sur la nouvelle web TV Northern Shift. Qu'est-ce que je dis moi? Shift. J'arrive pas à le dire, désolé, je suis nul en anglais. Bon, bien le bonjour sur la web TV, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Bon. Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la web TV pour la nouveauté. Alors par contre, cette webcam qui se lève en deux questions. Il y a un truc que j'ai oublié. Voilà ce que j'ai oublié. Voilà, ça va se mettre à jour. Voilà. Non, c'est bon. Je croyais que quelqu'un était rentré dans ma chambre. Pas du tout. Impeccable. Bon. Eh bien, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de spécial sur la web TV. Parce que je pense pas qu'on va en faire très très souvent. Donc c'est spécial. On se retrouve aujourd'hui pour faire du Beyond Good and Evil. L'ancien, le vieux Beyond Good and Evil qui a plus de 10 ans si je me trompe pas. Voilà. Et je l'ai là actuellement et ça va nous faire très bizarre à mon avis. Ça va faire très bizarre. J'avais vaguement vu le jeu à l'époque. Je n'y ai jamais joué, mais je l'avais vu, c'est tout. Donc voilà. Bah à part ça, rien de bien spécial. Voilà. Comment je peux faire ça? Non, on peut pas le faire. Tant pis. Bon, eh ben, écoutez, je pense qu'on va pas tarder trop longtemps. Et puis, on va partir sur le jeu, écoutez. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, ça me plaît. Donc, c'est parti. On va aller sur le jeu tout de suite. Alors par contre, le jeu, tu attends. Impeccable, ça. C'est beau, ça. Voilà. Impeccable. Bon, du coup, on switch sur le jeu. En espérant qu'il va se mettre. Oui, impeccable. Alors par contre, le jeu, je crois, il est en 4 tiers. Je crois que le jeu est en 4 tiers. Le jeu s'affiche en 4 tiers en tout cas. C'est bizarre. Voilà. Impeccable. Alors. Voilà, on peut jouer à la manette, mais ça nous affiche les touches du clavier. Bon, bah, soit, hein. C'était un jeu console à l'époque, donc on va jouer à la manette, bien entendu. Hop, toujours. Toujours. Chargement. Non, sachant que c'est une nouvelle partie. Donc, c'est parti. La guerre est aux portes d'Ilis. Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du système 4. Le général Keck, commandant suprême des forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Finir par avoir un petit volume. Le combat va être très rude, mais grâce aux sections Alpha, vous pourrez... What? Thank you.
jeu qui galère. C'est pas mal ça. Je crois qu'on tombe sur un problème. Je crois que le jeu rame trop. Alors, comment vous dire que si ça rame trop, c'est chiant. Normalement, les options, ça me faisait pas ça. Hein. Les options, elles me faisaient pas ça. Ah, attendez, on va le lancer autrement. Oui, je sais, il y a le fond, du coup, c'est le mien. Il n'y a pas de souci. On va lancer les settings. Je vais lancer les settings, attendez, bougez pas. Donc on va aller sur ce screen là en attendant. Le chat, si tu veux bien marcher. Voilà, impeccable. Du coup, on va se mettre en 1920. Configuration des commandes. Ok, configuration audio. Ouais. Tiling, non, ça sert à rien. Il y a pas de V-Sync. Ils ont remis le jeu sur PC, et ils ont pas mis de V-Sync. Bon, mais écoutez. Ça devrait être bon. Et on va sauvegarder comme ça. Et on va lancer. Ça devrait être bon là. Ah. Donc moi je ne vois pas le jeu. Ok. Très bien. Je vois le jeu sur l'écran de retour. Tout va bien. Bon bah écoutez. Ok, et eh ben on va baisser un peu le son, on va mettre les sous-titres. Et c'est parti, normalement ça devrait être bon maintenant. La guerre est aux portes d'Ilis. Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du système 4. Le général Kate, commandant suprême des forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Amis Iliens, le combat va être très rude, mais grâce aux sections Alpha, vous pourrez... En espérant que ça bug moins maintenant... Ça a l'air. Ah oui, beaucoup moins même. Ah non. Et je vais quand même pas le relancer trois fois. Salut Wizard. Reviens Page, j'active le bouclier. Oh là 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 là, le jeu qui galère. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Même Splinter Cell à l'époque m'avait pas fait ça. Pourtant j'en ai vu des jeux qui bug. J'en ai vu. Attendez. On va mettre ça comme ça. Hop, on va sauvegarder comme ça. Là, on va tester normalement ses qualités basses. Hein. On voit si c'est mon PC qui avait du mal. Hein. Et je pense pas quand même. Le PC, il avait pas tant de mal que ça. Pas grave. Allez, c'est parti. On retourne dans les trucs.
C'est parti. Ça devrait le faire. La guerre est aux portes d'Ilis. En fait, ça, ça plante pas. Ça, y a pas de souci. Mais c'est à partir du moment où il y a l'eau, etc. Du système 4. C'est dommage. Dommage. Dites-moi si, le son, ça va impeccable ou pas. À la population. À la population, ouais, allez. Amélien, le combat va être très rude. Mais grâce aux sections alpha, vous pourrez... Ça, ça impec. Et je crois après ça plante. Enfin, après ça bug. Putain, pourtant, j'ai tout baissé au minimum. Hein. Là, normalement, ça devrait pas. Ah si, ça bug aussi. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ça bug comme ça? Parce que moi, personnellement, je ne comprends pas. C'est dommage. Il est beau ce jeu pourtant. Oui, Ubisoft, on a compris. Voilà. Français. Ouais, au bout d'un moment, je vais le connaître par cœur, hein, ce début. Amélien, c'est ça, ouais, là, hop. Il est parti. La guerre est aux portes d'Ilis. C'est dommage que ça plante comme ça, ça s'appelle comme ça. Autour de cette paisible planète minière, c'est chiant. Du système 4. Le général Keck, commandant suprême des forces alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Allez-y. Amélien, le combat va être là, je vois le jeu. Impeccable. Mais grâce aux sections alpha, vous pourrez... Ah, y'a pas le flair. C'est peut-être ça. C'est peut-être le flair qui faisait bugger. Parce que là, ça avait pas de bug. Mais là, dès que ça affichait là, il a commencé à y avoir des bugs. Ouais, je cherchais pas, c'était ça. Bon, il est quand même beau. C'est vachement beau quand même. Ça va mieux. Ça va mieux. Ils arrivent. Vite, Fen, saute. Jade. Ok. Reviens, Paige. J'active le bouclier. Allez, allez. Ah ouais. Activé. Bouclier désactivé. Il manque 350 unités sur votre compte Optima. Votre alimentation électrique vient d'être verrouillée. Ah, c'est moche. C'est moche. C'est moche. Ciao les gosses. Ah merde. Ok. Ok, impeccable. Ok. Restez planqués, les enfants. Ok, impeccable ça.
Putain, comment il esquive, quoi. Ah. J'ai pas de son, c'est normal. Le jeu qui veut plus mettre de musique. Est-ce qu'on en parle? Non, parce que là, c'est le jeu qui n'a plus de son. En plus, je suis sûr que les musiques du jeu sont sublimes. Oui, Shoni, ah, c'est dommage, on a plus de son. Oh, le porc! Mon dieu. Ah, la page. Le porc! Alors par contre, est-ce que je vous montre ce qui se passe? Je pense que c'est important de vous montrer. Vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit de savoir. Voilà ce qui se passe. Le jeu n'a pas aimé. Si tu dis non, tu me fais ça à moi. Ah ouais, et alors? Tant pis, hein. Oui, c'est ça. Non mais attendez, je vais devoir me retaper le début. Ah non. Non, pas encore, les gars. Je vais devoir me retaper le début. On va taper le début. La guerre est aux portes d'Ilis. Tapis. Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du système 4. Le général Keck, commandant suprême des forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Amis Iliens, tapis, hein. Le combat va être très rude, mais grâce aux sections Alpha, vous pourrez... Non, mais on se fait douiller, hein. C'est comme ça. En espérant que cette fois ça bug pas. Sérieux, quoi. Jade. Reviens, Paige. J'active le bouclier. Allez, allez.
Bouclier activé. T'as pas payé la facture d'électricité. Bouclier désactivé. Il manque 350 unités sur votre compte Optima. Votre alimentation électrique vient d'être verrouillée. C'est vrai. Merci de votre compréhension. Oui. Certes, elle est mieux. Ritex bug plus. C'est à d'être mieux. Ok. Ok. Là, c'est bon. Donc, la musique. Impeccable. Pas pourquoi tout à l'heure ça a bugué. Allez, salut! Le porc! Nom de Dieu, Jade! J'arrive, Paige. Libère-toi, Jade. Je fais diversion. Ok. Voilà, impeccable. Ouch. Je joue avec la manette. Ouais, je joue avec la manette. Obligé, c'est un jeu console à l'époque. Hein. Voilà. Quand même. C'était un jeu console à l'époque, donc je joue quand même à la manette. Je respecte un petit peu le moyen, quoi. Jade et Paige. Impeccable. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. Oula, oula. La sensibilité de la caméra est violente, hein. De l'Overcraft avec ça. Hey, Secundo, tu peux me faire un scan? Ok, Yad. Ok, Yad.
Alors, qu'est-ce que c'est? Una perle d'Aramis. Bravo, Yad. Mais fais gaffe, il t'a fait un check-up après le combat. Et apparemment, un truc a pénétré ton enveloppe psy. Ok. Le truc a pénétré l'enveloppe psy. Patrouille 21. Tout danger est écarté. Vous pouvez remonter sans crainte. Tu veux? Tiens. Merci. Ah, comment on mange? Ok. Sur Illis, la guerre vient encore de frapper la population civile. Impeccable. Les troupes d'élite sont une nouvelle fois intervenues à temps. Ouais, bah oui, ils sont intervenus à temps. Au refuge du phare sud. Ici, quelques enfants dont les parents ont été capturés par les Doms sont recueillis par deux Iliens au courage et au dévouement exemplaire. Mademoiselle, un commentaire pour nos téléspectateurs. Ouais, ben vous êtes vraiment pas les plus rapides, messieurs les super-héros. Continuez à vous la couler douce, et la prochaine fois, il y aura plus grand chose à sauver par ici. Coupé ! Hé, t'énerve pas, Pépé, tu vas te faire du mal. Bon, allez, les gars, on plie. Go ! D'accord. Merci, sans toi, je... Jade ! Jade ! T'as dû ouvrir le sérum ! Zut. Paige, ça y est, elle se réveille. Ah, Jade, comment te sens-tu, ma petite? Ça va, Paige, ça va. Toujours pas de courant? Non. Et avec le bouclier en rade, on va pas tarder à se faire bouffer par tous les voraces du secteur. Mais écoutez-moi ce pessimiste. Votre serviteur, Segundo, a trouvé la solution pour les frics. Segundo, on est bloqué ici. Pas d'overcraft, pas de bouclier. Optima nous a coupé le courant. Plus de fric sur le compte. Des unités, hein, des unités, les unités, je vais les faire tomber du ciel, ma poupée. La directrice du centre scientifique, elle veut recenser tous les animaux de la planète. Elle paye cash pour n'importe quel portrait de bestiole. Tiens, tu vois par exemple cette bestiole là-bas, tu la prends en photo et crac, annule le jackpot. Même ton chien l'intéresse, belle. Pas encore un de tes plans foireux, Segundo. Faudrait te faire réviser les circuits. Qui peut bien s'intéresser à ce genre de truc? On est en guerre, mec. Mais tu comprends rien à rien. Il est génial, ce personnage-là. Le contrôle des espèces, c'est important. Yad récupère ton appareil back et tu vas voir si le Segundo il a les processeurs empourés. Allez, ciao, Bella. Je m'en vais. Ciao. Yad, j'ai retrouvé ton appareil. Je te l'ai mis juste là. Wow, t'as la sensille. Attends, prendre. Ça, c'est la bouffe. Scanalyse, ok. Ok. Et maintenant, une allocution du général Keck. Ok. Appareil en phase. Ok, Yad, c'est à toi de jouer. Attends. Touche. Ok. Oh putain. Zut. Mon Dieu.
c'est chaud la manette. Hein. Ok. Envoyé au centre scientifique. Bonjour, Jade. Nous avons besoin d'un inventaire complet des animaux encore vivants sur la planète. Bonne chance. Oh. D'accord. Ok. Bon, on va prendre... Ils nous auront tous, ces sales d'hommes. On va tous y rester. Mais non, mon petit. Ici, dans le phare, vous êtes à l'abri. Ok, on va prendre tout ce qu'on a. Ok. Appuie sur A. Pas de courant. Toujours pas de courant. Ah oui, c'est vrai qu'il nous faut 350 unités. Ok. Est-ce que si on prend les gosses, c'est considéré comme une espèce à répertorier? Je vais peut-être être méchant en disant ça, mais c'est peut-être un bon truc, non? Ah, on va prendre en photo le chien. Superbe spécimen, je le répertorie. Ok, donc ça nous fait 250 unités. Il nous en faut encore 100. Est-ce que si on prend le porc en photo, ça passe? C'est les Doms qui ont embarqué nos parents, hein, Jade? Sûrement. Mais ils sont peut-être encore vivants. Peut-être et encore. Ça va pas ensemble. Voilà, c'est terrible de jouer à la manette. Hein. Attendez, je vais essayer. Voilà, c'est tellement plus simple. Non, pas fin pour l'instant. Alors, comment... Alors, on va sélectionner l'appareil photo. Ok, c'est shift. Ici, sur Ilis, la guerre vient encore de frapper la population civile. Heureusement, nos troupes d'élite sont une nouvelle fois intervenues à temps. Je me trouve actuellement au refuge du parc. Ok. Moi, je joue un petit peu clavier sur rien. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. On va aller voir le gosse. C'était un poisson, hein, gamine. Peut-être parle à tous les gamins qui sont réveillés. Encore heureux qu'on ait les sections alpha pour nous protéger. Courage, il faut tenir bon. Ouais, bof. Ok, donc c'est espace pour courir. Il reste à distance, mais faut. Hop, si j'en vois aussi. Des champs, ils sont de plus en plus rares. Ok, cool. C'est bon, Yad, il transfère les fric à ces minables d'Optima Service. Impeccable. Vas-y, fais ça. Électricité rétablie. Merci d'avoir choisi Optima Service. Bouclier activé.
Et remets-nous... Je vais voir au hangar si tout fonctionne. Rejoins-moi là-bas dès que tu peux. On dirait qu'il y a une mission pour toi. Jade, reportage. M disque de mission en attente. Ouais. Déjà photographié ? D'accord. Ok. On va au hangar. Allez. C'est parti. Quel le jeu est vachement beau. Là-dessus... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, capsule de boost. Ok. Donc ça, c'est capsule de boost. Ça, c'est quoi ? Ça. Bon travail. Un pod. Ok. Tranquille. C'est vrai. Les batteries sont nazes. Ah. Alors. Voilà, il faut que j'aille sur échappe. Et que là. Sac. Est-ce que faut que j'aille là? Ah. Non, pas ça. C'est chaud. Ok, non, c'est pas ça. Non. Alors, il veut que je le rejoigne au hangar et... Atelier de Page. C'est okay. Toi, Jade. On vient de recevoir sur M-Disc du boulot pour Jade reportager de coup. Si tu peux le dire maintenant, ça me permettra de régler ce foutu lecteur décrypteur qui refuse d'obéir à son maître. Ça y est. Insérez votre M-Disc. Ok. Bien joué, Yad. On va prendre ça. On va sauvegarder. Impeccable, on peut sauvegarder tranquille. Sauvegarde réussi. Ok. Et maintenant, il faut que j'aille dans les disques. Et hop, on lit. Enfin, on écoute plutôt. Tranquille. Bonjour. Franchement, en début de. Je suis mandaté par Monsieur de Castellac. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Cette guerre est une catastrophe pour nous tous. Aussi, Monsieur de Castellac aimerait vous confier une mission particulièrement délicate. Ouais. Si vous acceptez, veuillez vous rendre au plus tôt à l'ancienne mine de l'îlot noir, de l'autre côté de la ville. Compte tenu des énormes risques encourus, Monsieur de Castellac envisage une forte rétribution. Mais il y a intérêt, ouais. Tu le connais, ce de Castellac ? Hein ? Faut pas y aller, Jeanne. Ça pue le traquenard, c'est trop dangereux. Ma coupe est bloc ou quoi ? On a besoin d'un flic pour se protéger de ces merdas de d'hommes. Tu comprends rien, le porc, hein ? Te fais pas de bile, Paige. Ça va rouler. Si tu veux, j'y vais seul. Non. Ok, on y va ensemble. Mais je vais vous coller au masque. Et je vous demande pas votre avis. Segundo, check cet ordinateur et mets-y une version complète de ton logiciel. Jade, tu pourras y jeter un œil. Moi, je m'occupe de l'Overcraft qui est en rade. De Dieu. Heureusement que je suis là. De Dieu. Il me fait triper le port.
Dieu. Ok, ça marche. On est à nouveau connecté sur le monde extérieur. Comment est-ce que je peux... Carte Easy Unit. Sac. Non, mais c'est bon. Non. On va écouter. Je pense que c'est bon. Nouvel objectif, une étape pour consulter, on s'en fout. Allez hop. Alors, diagnostic? Eh oui, c'est sûr. Heureusement que c'est... Fait ce type toujours là au bon moment, comme par hasard. Tu recherches Warcraft, crah, les accus sont à plat, l'outil générateur est mort. Faut commencer à pousser le générateur de secours, s'il te plaît, je voudrais viendrai t'aider. Ok, donc faut qu'on aille faire le générateur de secours. Le générateur de secours qui n'est pas du tout ici. Pousser le générateur de... Ah si, il est là. Ah, je veux bien. Allez, le port. Le reportage Enco a vraiment besoin de renflouer le tiroir. Bloqué de ce côté. Attends, mais pas un tour de rein, bon sang. Mais pas un tour de rein. Faut pas le foutre dans l'eau non plus. C'est bon, il va fonctionner là. Ça devrait. Impeccable. Ok, c'est parti. Si tu veux mon avis, capture le garage, Mamago. Eh ben... Ok. Donc sans le vouloir, j'ai accosté. Ok. Oula, elle est pas en forme, l'Overcraft. Faut tenir jusque chez Mamago. Ils ont ce qu'il nous faut. N'insiste pas, Jade. Garde les pods pour le prochain moteur. Celui-là est même plus réparable. Eh ben, ça y est, fini. En rade. Oh, maudit Rafio! Et le garage qui est même pas à 300 mètres! Mamago, dépannage, service! Viens te chercher, sale vis! Mamago, dépannage, service! Salut mec! Alors c'est quoi ton problème? Je vais te remorquer gracieusement jusqu'au garage Mamago! On n'a pas une thune. Si, on a 50. 50 unités, mais c'est que dalle. Hey, ça marche. Ouais, c'est surtout efficace pour appâter le client. Oh, faut sortir de cette boîte de conserve, Jade. Oh, ça commence à sentir le jambon fumé. Alors, on va parler. Les terres sont tombées chez vous hier. Vous avez pu vous planquer, j'espère. Tous les protégés vont bien, les dernières. C'était chaud, mais ils vont tous bien. Merci, Sam. Faites merci de nous avoir envoyé la dépanneuse. Faut s'entraider entre voisins. Il y a mes terres d'hommes qui est tombée. On parle pas, jette presque tout le stock parti en fumée. Ouais.
Cette guerre, c'est une calamité, ouais. Bien sûr, j'arrête de faire comme chez toi. Mais rappelle-toi, notre maman n'accepte que les perles. Ah! Hey Jade, tu le crois ça? Un météore d'homme nous a bousillé la boutique. Regarde là-haut! Ouais, déjà, tu permets que je sauvegarde. C'est bien qu'on puisse sauvegarder comme ça avec ce système-là. C'est vraiment bon. Pose-toi une minute. Tu vas te tuer à courir comme ça. Allez, on utilise la perle. Vendu. Aidez-moi. Sam, un moteur Speedcraft à monter. Un moteur Speedcraft, ça roule. Impeccable. Allez, montre-moi ça, s'il te plaît. Ce sera déjà mieux. Analyse, ok. Ok, super. Oh là là. La radio annonce une nouvelle attaque. Soyez sur vos gardes. T'inquiète. Allez, c'est parti. Il attaque les bateaux. Il faut les défendre. Ah. Il tire sur les pêcheurs. Et j'ai pas compris tout ce qui s'est passé. Alerte générale. Ouais. Alerte générale. Déployez les. Les dames, ils attaquent. Les barrières de protection. Ils tirent sur les pêcheurs. Touché. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Ouais, mais y'a moyen de le prendre en photo. Il est où? Ah d'accord. Non, en fait, je veux prendre la photo. Je veux au moins prendre la photo. Je veux réussir à prendre cette photo. Oui, on a compris. What? Non, j'allais utiliser. J'allais utiliser un réparateur. Ah zut. Dommage. Putain, j'arrive pas. Hein. Les dames, ils attaquent. Allez, s'il vous plaît. Ne lâche pas d'une femelle. Feu.
Oulé. Mais comment il... Yeah, je l'ai eu. Identifié, daté, archivé. 2000 C'est bon, on est riche. Ok, c'est un visuel. Voilà mon gars. Yes. J'ai réussi à prendre la photo et à le battre. Une nouvelle perle. Mon envers. Elle nous servira sûrement si on doit retourner chez Mamago. Impeccable. Super. Alors. Il est noir. À toi, chez nous. Allez, c'est parti. Et c'est chaud, n'empêche. Hein. Franchement, je pensais pas que ce jeu était encore plus complexe. Hein. Mademoiselle Jade, monsieur de Castellac souhaite vous rencontrer à l'île aux Noirs, au plus tôt. Il y a une forte somme à la clé. Ok. Vous approchez d'une zone dangereuse. Pour votre sécurité, veuillez faire demi-tour. Merci de votre compréhension. Et je brain, hein. Vous approchez d'une zone dangereuse. Non, mais là je... Pour votre sécurité, veuillez faire demi-tour. Merci okay. de votre compréhension. Ok, donc impossible d'aller à l'île aux Noirs pour le moment. En tout cas par là. Ok, par là aussi. Bon, on va au hangar. Allez hop. C'est parti. Voilà comment se porte le petit monde là-haut. Maintenant qu'on a eu masse pognon. Allez, active-moi ce bouclier. Bouclier activé. En rejoignant les sections Alpha. Amis Ilien, la guerre a craché son venin sur ta planète. Aidé par les traîtres du réseau Iris, l'ennemi Dom s'affranchit des champs protecteurs et s'est infiltré dans ta cité. Chaque jour. Ouais. Tranquille, hein, pas joué. Non, waf, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui fait le chien? Arrête, waf, rends-moi ça. T'as perdu, sac à puce. Rends-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Okay, what the kebabs? Restaure toute l'énergie. Ah ouais! Ah, c'est pété.
Ok. Ça, qu'est-ce que c'est? Ok. Donc ici, RS. Donc faut que j'aille à l'îlot noir. Mais comment faire? Est-ce qu'il faut que je fasse tout le tour ou... Ou il y a moyen de gruger? Allez, viens. Dépêche-toi. Avant que je change d'avis. Alors, hop, on va prendre la boussole. On va passer par là. C'est parti. Hé, Jade, un banc de rascasse bleu. Sûr que ça peut intéresser le centre scientifique. Où ça? Où est-ce que... Je vois pas où est-ce qu'il a vu le rascasse bleu. Enfin, le banc de rascasse bleu. Ah oui. Hop là, on l'a eu. On envoie ça. Famille des scorpénidés, très délicate. Impeccable. Voilà, on peut aller à l'îlot noir. C'est parti. L'îlot noir, c'est par où déjà? Porte sud, droit devant. Oh là là. Ah, je reconnais trop la... Hey, ça crame là-bas. Les météores d'hommes vont traverser le bouclier. Faudra qu'on soit super prudent, Jade. Les attaques s'intensifient. Ok, on est dans Ibis. Ok. Terre en vue, capitaine. Îlot noir, droit devant. Appel à témoins. Les traîtres du réseau Iris se terrent quelque part sur Iris. Ok. Je sais pas comment on va faire. Il y a pas mal de trucs qui peuvent rapporter de l'argent, c'est pas mal. Ok. Ok. Donc qu'est-ce qu'il me veut, lui? Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il me veut? Mon patron, monsieur de Castellac, comme tous les habitants d'Ilis, souhaite ardemment la fin de cette guerre. Les sections Alpha prétendent repousser les Doms, mais ils nous cachent la vérité. Des monstres Doms ont déjà envahi chaque recoin de notre planète. Deux spécimens ont été repérés au fond de cette mine. Si nous n'alertons pas la population, ils seront de plus en plus nombreux. Monsieur de Castellac est prêt à payer très cher pour pouvoir diffuser une photo d'un couple de ces monstres. La mission comporte de grands risques. Vous êtes libre de refuser. On n'est pas très potes avec les Doms. Dis à ton patron qu'il aura sa photo. Ok. Donc il faut qu'on prenne une photo des Doms. Si monsieur de Castellac veut le mâle et la femelle sur la même photo. Alors, c'est pas déjà photographié. Ok. Ok. Ok, il est recensé. Ok, 400.
Putain. Ok, donc c'est un boost. Donc il y a rien d'autre ici. C'est déjà ça. Ok, donc ici, rien d'autre. C'est parti. Allez, dépêche-toi. C'est parti. Tain, le porc a eu trop du mal, quoi. On va lui trouver ces vers de terre. La vieille mine, ok. Jade, viens voir, s'il te plaît. Je crois qu'il faut que je te dise un truc. Maintenant, c'est peut-être le moment de te montrer ma dernière invention. Deux gens travaillent dans le plus grand secret. L'aboutissement d'une carrière, ma petite merveille, les Jet Boots. Elles fonctionnent avec du biocarburant maison. Ici, une poche de méthane maintenue sous pression. Là, sous la semelle, deux turboréacteurs. La mise à feu est commandée par une simple contraction des muscles abdominaux. C'est le moyen de transport du futur. J'attends ton signal, Jade. J'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'il est? Mais c'est pas possible. Chez les connes, carrément. Voilà. Super. Ok. Si tu veux une autre démo, je suis à ta disposition. Allez. Et pourquoi tu m'avais caché ça? Oh, il fallait que je peaufine les derniers réglages. Touche plus à rien. Allez. Allez, vas-y, viens le porc. Bon. Bien joué, Jade. Ouais, non, mais là. Hey, Jade, il y a le plan. C'est l'occasion de tester ton scanalyseur. Fais-en une photo. Ah, ok, je me suis mis trop près. Impeccable, analyse. Ok, super, du coup on a la carte. Ça c'est bon ça. Du coup... Ouais. Donne-moi ton signal, Jade. Maintenant. T'as vu ça? Ton attaque Jet Boots les fait sortir de leur gond. Oula. Ouais, mais fais gaffe quand même. Quand on les énerve, ils sont incandescents. On y va. Attaque Jet Boots. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, ouais, non mais c'est vrai que c'est pas eux pour prendre. Donc on a un Starkos, un Starkos, ok. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Un cristal de materia. Il est transférillico à la banco. Il paye mucho unité par caillou. Good, good. 10 unités par Vas-y, crash. Impeccable. Donc on a eu pas mal d'unités là. OK. Hey Jade, viens voir.
Il va nous falloir du matos si on veut passer par là. Oh, je suis pas outillé pour ça, moi. Maintenant. Voilà. Question de point de vue. Ah ok. On y va. Yes. C'est bon ça. Ah 5 unités, ok. Bon stream mec. J'arrive dans 40 minutes environ. Ok merci. Alors comment on va pouvoir faire ça? La grille. On pourrait faire quelque chose. Non non, il faudrait une pince coupante pour ça. Ok. On reviendra, pas besoin. Pas super clair. Son gros par de bestiole. T'inquiète pas, à mon avis, quand on tombera dessus. Ok, besoin d'un remontant. Merci. Ok. Donc en attendant, on va monter. On va monter tranquillou. Oh super! C'était quoi ça? Crochax. Il y en aura d'autres, Jade. D'habitude, ils attaquent à deux ou trois. J'arrive, Jade. Allez. Allez, pousse. Allez, pousse. Bloqué de ce côté. Ok. Et donc là, qu'est-ce que... Ça sert à quoi? Attends, je suis bloqué ou quoi? Voilà, allez vas-y monte. Voilà. Boyau secondaire. Ok. On s'en fout, on prend des photos. Ah, c'est petit. Donne-moi ton signal, Jade. Aïe. Eh, prends sur moi, morfenouille. Maintenant. Ton signal, Jade. On y va. Ok, si je prends une photo d'un des deux. Des crochax? Ne les approchez surtout. Ok, ta pellicule est terminée. Bravo, Jade. Je te transfère le zoom. Et je réinitialise ta pellicule. Impeccable. Lâche-moi, foutu bestiole. Merci. Ok, impeccable. Et franchement, c'est bon ça. On a pas mal de thunes. En photo en même temps. On y est parlé un peu fort là, non? Hein? Ça, c'est dur. Ça, qu'est-ce que c'est? Elle est magnifique. Ok. Ok. Allez, vas-y. Allez, dépêche-toi. Voilà le port. Allez, mange. On tourne sur la branche principale. Oh, je
suis pas outillé pour ça, moi. Ouais, ouais, ouais. On devrait sûrement trouver un truc dans ce cockabits. Tiens, ça, c'est pour le spécialiste. Ouais! Une impeccable, ça. Banco des 53 modèles à percussion cisaillement. Je la prends. Il est tout content. Ouvrez les yeux. Les sections alpha sont les complices des DOMS. Rejoignez le réseau Iris. Ah, on est dans un dilemme. Est-ce qu'on rejoint Iris ou est-ce qu'on rejoint les... On va sauvegarder. À mon avis, c'est qu'il y a un truc par là qui est pas... On va sauvegarder ici. Identification compte. Ok. Un Starkos régénère votre énergie d'un cœur. Non. Pas besoin. Ok. Pardon, monsieur l'âme. Laissez passer le spécialiste. Oui, bah le spécialiste, il va se bouger le cul. Le porc. Sérieux, quoi. Mon dieu. Allez, fais sauter ça. Du travail de professionnel. Pas de pitié pour les grilles. Et là, est-ce que je peux prendre en photo ça? Oui. Analyse. Déjà mémorisé. Ok. On retourne au boyau secondaire. Ok. C'est beau quand même. C'est quand même vachement beau. Oh là! On va le prendre en photo. Ça, on l'a pas pris en photo. Allez, allez. Ok. Ok, donc faut qu'on retourne en arrière. Ok. Impeccable. Oh, on est venu par la gauche. Allez, vas-y. Je pense qu'on va encore avoir un ou deux combats. Alors, maintenant qu'on peut prendre la branche principale. On va aller brancher, on va aller prendre la branche principale. Ok, donc on peut pas sauter. Allez. D'accord. Fais-moi ça. Pique-moi cette grille. Impeccable. Qu'est-ce que c'est que ça? Identification compte. Ok. Un AP1 augmente. Un AP1 augmente d'un cœur la capacité de votre jauge. On va prendre ça. Hein. Impeccable. Bon travail. Ok. Donc maintenant on a 3 cœurs. Ok. Et pas pour moi, Jade. Hey, Jade, on reste ensemble, Mildew. T'inquiète pas, je suis là, il t'arrivera rien. Ouais, c'est ça. Fous-toi de ma tronche en plus. Mais non. Est-ce que... Est-ce que... À toi de jouer. Ok. Donc là, on récupère à peu près toutes les unités qu'on a utilisées. Maintenant. Allez. Est-ce que... Donne-moi ton signal, Jade! Ok, il va falloir qu'on pousse tout seul.
À un moment, on devrait pouvoir le péter. On y va. Ok, impec. Voilà. Allez, vas-y, le port. Oula. Lâche-moi, foutue bestiole. Dalle, viens m'aider. Hey, pas sur moi, morflenouille. Merci, Jade. Sans toi, je crois que... Y'a pas de quoi, vieux Bresca. Allez, en route. Je sens que le meilleur est à venir. Ouais, je le sens aussi. Franchement, le jeu, je kiffe. Je serais capable de stream à fond dessus. Attaque, impeccable. Impeccable. Faut que tu m'ouvres, Jade. Ah, par contre, celui-là, j'ai jamais pris en photo. Celui-là, j'ai jamais pris en photo. Voilà, sur un certain. Alors comment je vais pouvoir y ouvrir? Ah, par là. Elle appuie. Elle vient la vieux. Bonjour madame, livraison de pizza. Ouais, livraison de pizza. Impeccable. Allez, on sauvegarde. Sur la vieille mine. Non, sur celui-là. Ok, impeccable. Ok. Pardon, monsieur dame. Laissez passer le spécialiste. Ouais, ouais, le spécialiste, il va se calmer. Allez, bouge le port. Donc, faut qu'on prenne en photo le mâle et la femelle. Celui qui n'épulse. Juste où il fallait pas, ma petite Jade. J'ai l'impression aussi. Incroyable. Donne-moi ton signal, Jade. Impeccable. À toi de jouer. Allez. Impeccable. Et moi toute cette thune quoi. Allez. Bah tranquille. Je savais pas qu'elle avait aussi le mode gourdin, ta pince multi-usage. Modèle D53, ma petite dame. Avec cisaillement et percussion. Besoin d'un montant. Faut fouiner. Tiens. Allez, merci. On lui donne un petit coup. Et nous. Tiens. Non mais. Merci. Ah non. Oh putain. Faut qu'on mange nous aussi. Bon tant pis. On l'aura pas celui-là. Allez, celui-là, par contre, on va l'avoir. Ouais, c'est juste pour ça. Vous pouvez sauter un petit peu plus haut, hein, franchement. Ça on a déjà bien assez. Alors. Allons bon, là autre chose.
Alors, normalement, ça, je peux le prendre en photo. Du coup. Mais... voilà. Aïe, 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 aïe. Ah, ça pique, ça. Aïe, aïe. Ah ouais, on va s'écarter un peu. Putain. Elle a déjà pris en photo ça? Bah je suis bête. Bonjour madame. Ok. Ah ok, on peut faire ça, ok. Hey Jade, regarde, les deux bestioles du fond. Tu leur tires le portrait, t'envoies tout à l'autoave et on passe à la caisse. Splendide. Je transmets à Monsieur de Castellac. Oups. Je sens que ça va pas être bon. On va pouvoir le prendre en photo un truc en plus, mais... ok. On va y piller la cité. Hop, 3000. Ouch. Phase 3, pop des Z. On est presque au... on est presque aux 10 000 points. Sérieux quoi? Ok. Donc là il nous reste ça. Donc là je reste loin de tout truc. On y va. Il va apparaître là-bas. Oh putain. Il y a eu du monde un peu. Ouais vite fait, vite fait. Pas personne à parler mais j'ai eu au moment il y a eu 4-5 personnes mais sinon. Sinon, ça a été. C'était calme. C'est parti. Il faiblit, Jade. Oh, tiens bon. Ouais, t'inquiète pas, je tiens bon. Alors. Non, je l'ai pas battu. Il est énervé. Juste, il est énervé.
Ah si, je l'ai battu. Pas mal pour une chaînette et un vieux bout de l'art. On a réussi, Paige. Oh là là, sacré vieux tromblon. Allez, une petite perle. Impeccable. Ce jeu est vraiment magnifique. Franchement, je vais continuer de le faire. S'il le faut, je continuerai sur ma perso. Franchement. À mon avis, il est pas très très net, ce monsieur de Casteltruc. Félicitations, mademoiselle Jade. Tais-toi. Vous avez... J'ai deux mots à dire à ton patron. Ah, monsieur de Castellac n'a jamais existé. Je crois que je vous dois quelques explications, mademoiselle. Il a l'air sympa. Tu as un fond vert pour ta webcam ? Ouais, c'est un fond vert qui est derrière moi. C'est quoi ce taxi nul ? Mademoiselle Jade, vous avez brillamment réussi votre test en situation. Comment ça, un test ? Oui. Excusez-moi pour cette mise en scène. Je me présente, je m'appelle Anne, je fais partie du réseau Iris. Le réseau Iris ? L'organisation rebelle ? La résistance, oui. Contre une menace que tout le monde ignore. Si personne ne réagit, c'est toute la population qui va y passer. Avec l'aide des sections Alpha, nous pouvons repousser les Doms. Les sections Alpha ne sont pas du tout ce que vous imaginez. Pour chaque personne qu'ils sauvent, ils en font disparaître 10 autres. Les sections Alpha nous défendent depuis des générations. Ils soignent les blessés, repoussent les attaques d'hommes. C'est ainsi qu'ils gagnent votre confiance, qu'ils endorment votre méfiance. Ils vampirisent toute la planète comme ils l'ont déjà fait pour des centaines d'autres. Qu'est-ce que... Le gouvernement Ilien n'a pas eu le temps de réagir. Il s'est fait complètement museler. Mais nous pouvons arrêter les sections Alpha. Ah oui ? Et comment on peut faire ? J'y viens. Ils savent pertinemment qu'un soulèvement de la population leur serait fatal. Apportons au peuple les preuves de ce complot, et nous aurons la victoire. Jade, plus que jamais, le réseau Iris a besoin de personnes comme vous. Ralliez-vous à notre cause. Et sinon, le pognon ? Si vous décidez de nous rejoindre, rendez-vous à la Coudabar. Demandez Belle Mirette. Vous êtes libre de choisir votre camp, Jade. Ouais, mais sinon, la thune. Belle Mirette, tu dis ? À la Coudabar. Ah, j'y pense, retenez bien notre mot de passe. À l'abri dans sa coquille, la perle est l'esclave des courants. Mesure de sécurité ? La discrétion est notre mot d'ordre. Ah, au fait, j'oubliais votre récompense. À très bientôt, mademoiselle Jade. J'oubliais votre récompense. Que pense mademoiselle Jade de tous Charagoyan ? Ouais, mais... D'arrêter cette guerre. Les thunes ? Ah, là on parle. 3000 unités, là on parle. Voilà, là on est d'accord. On verra bien ce qui se cache derrière tout ça. Bon, du coup on est tranquille, on est tranquille. Avec plus de 12 600, on est tranquille. Bon allez, c'est parti. C'est parti. Du coup... Belle Mirette, tu connais ? Oh là là. Franchement, regardez juste. Et écoutez. Putain. C'est beau. Cité. Non, ouais, directement. Mamago. Île Noire, Fabrique. Cité. Bon, et eh ben on va aller là-bas, écoutez. Il y a encore du temps. En tout cas, les musiques sont sublimes. Ouais. Je
Autrefois, ouais. Chez Minsu, j'ai repéré un détecteur de perles. Et il a l'air correct. Ouais, incité. Retournons à la cité, on va voir le truc qui nous intéresse. Les cours de Warcraft, c'est par là? Ouais. On pourrait y aller si tu le sens. Ça peut rapporter pas mal. On est prêt pour la troisième. Le circuit est... Pousse 1 et 2. Ça va être un carnage, une boucherie, de l'amusement pour toute la famille. Allez, on va à la course 1. On va faire des courses, tiens. Les trouillards, les gonzesses et les morveux, il vous reste encore 3 secondes pour abandonner et retourner à votre tricot. C'est parti. Allez, c'est parti. Bravo, Jade. Ouais, les caps, c'est simple. Pour le petit nouveau, ouais. C'est un boost, ok. Dernier tour pour le petit nouveau. Faridas. Faridas. Allez hop. Ouais. On n'a pas battu le record par contre. Ah, mais en même temps on a notre truc qui est de base. Je pense qu'on peut le modifier, je pense. La course 1. Ah d'accord, on récupère des perles. Et on récupère 1000. Ah, pas mal. Les et ben couillards, les gonzesses et les morveux, il vous reste encore 3 secondes pour abandonner et retourner à votre tricot. Allez, c'est parti. Ah oui, vue immersive, c'est déjà beaucoup mieux. Ouah. Ouah. Là, c'est déjà plus chaud. En fait, si, ouais. Oh non. C'est bon, on le rattrape, lui. Facile. Ok. Je sais pas, je suis combien, je suis troisième, ok. Impeccable. Tain, l'autre, il a vraiment pris ses aises. Allez hop. Tranquille. Simple. Bien joué, Jade. Ouais. Bien joué.
Tranquille, tranquille. En tout cas, j'adore la musique. Hein. Oh là là. Et ouais, vue immersive, c'est quand même beaucoup mieux. Allez hop. Moussaka. Moussaka. D'accord. Faridas. Impeccable. Impeccable. Trans. Premier record. Oh non. Oh non. De 36 centièmes. De 36 centièmes, on battait le record. Ah, je suis deg. Tchoup. Allez, donne-moi la perle. Ok, impeccable. Donc ça, c'est bon. Et on récupère 1000 au corps, une fois. Bah, c'est parti. Bah, en fait, ouais... C'est... On est prêt pour la troisième. Le circuit est juste derrière chez nous, je crois. Chez nous. On va au quartier piéton. Allez. Faudra qu'on aille faire un petit tour au quartier piéton, un de ces quatre. Allez hop. Alors, ce que ça donne ce quartier piéton. On va voir. Il y a encore eu 40 personnes enlevées cette nuit. Ok. Donc faudrait que j'aille au fameux... Oh mais... Putain, le blocage quoi. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah rien, c'est qui le perlé? Identification compte. Ok. Ok. La coupable. Hey. La coup d'abar. C'est là qu'on doit aller. Salut Mo. Salut Zod. Oh Paige, tu viens t'en jeter un petit? C'est moi qui régale. On t'a les animaux d'Iris. Une tombe. Planqué depuis le siècle dans le cratère d'un volcan. Faut que j'aille à l'étage. Le code d'un coffre des sections alpha, il stocke, est stocké aux Iliens. Oh! Dans l'intérieur, prenez la fontaine sur la droite. Nice. Mais oui, ça va être utile. Avancez, mademoiselle. Venez tenter votre chance chez Belle Mirette. Identification compte. Ok. Celle du milieu.
Gauche. Droite. Milieu. Et droite. Je te donne la chambre numéro 3. Je suis sûr que tu l'apprécieras. Il y a une magnifique armoire ancienne. Je te recommande d'y jeter un œil. Impeccable. Impeccable, ça. Oui, bonito, Yad. Z4H8. Alors, c'est Z4H8. Ah oui. Z4H8. Validé. Voilà. Repère Iris. Ok. Mes amis, laissez-moi vous présenter Jade, notre nouvel agent. J'espérais que tu viendrais, approche. Voici May, rédaction et diffusion de Iris, notre journal. Nino, écoute radio, transmission et colleur d'affiche infatigable. Salut. Sur ces écrans, tu peux voir la plupart de nos correspondants. Ils opèrent à travers l'univers sur plus de 13 systèmes différents. What? C'est lui qui a eu l'idée de te proposer... Hey, ils sont... Franchement, les graphismes sont plus de 10 ans, donc c'est sublime. Les yeux. Elle a du talent, la petite. Bien, écoute, Jade. Je crois qu'ils ont 20 ans. Une bombe d'hommes a explosé dans je crois qu'ils ont 20 ans, les graphismes, sûr, si je ne me trompe pas. Les sections Alpha ont bouclé le secteur et ont embarqué tout le monde. Pour les soigner, tout simplement. Aucun hôpital n'a reçu les victimes, Jade. Dès l'annonce de la nouvelle, le gouverneur d'Ilis nous a contactés. Elle est prête à nous aider, mais son QG est sous surveillance. Tu peux nous aider à sauver ces gens, Jade. Nino, fais-nous un point sur la situation. Voilà ce qu'on sait. Les victimes sont enlevées par des agents des sections Alpha. Elles sont ensuite acheminées jusqu'à la fabrique de neutrines. Les navettes prennent le relais jusqu'aux anciens abattoirs. Ouais. Et chargement dans un croiseur militaire, direction la Lune. Nous ignorons ce qu'ils leur font subir. Aucun de nos agents n'est revenu de ces endroits sinistres. Il y a 4 jours, nous avons perdu la trace de Double H dans la fabrique de Nutri. C'était notre meilleur agent et un ami. Double H devait rapporter des preuves du trafic des DOMS. Ces derniers clichés sont terrifiants. Un mangeur d'esprit. Il faut reprendre la mission, Jade. Tu peux refuser. Continue. Nous avons besoin de preuves. 1. Tu t'infiltres dans la fabrique de Nutri. 2. Tu prends des photos des sections Alpha et de leurs victimes. Tu resteras en Tomb Raider sur PS1 en même temps. Tes clichés aussi vite que possible. Tomb Raider, c'est Tomb Raider. Les gens doivent connaître la vérité. Moi aussi, je dois savoir. Je dois savoir qui dit la vérité dans tout ça. Bien, voici un City Pass officiel, fourni par le gouverneur. Il t'ouvrira certaines portes. Bonne chance. Bon travail. Tout le quartier habitant. C'est impeccable. Jade. Si tu veux, je t'ai gravé un M-Disc. Je te l'ai mis là. Tout y est expliqué en détail. Allez, on prend le M-Disc. Donc on va regarder ce M-Disc et puis après je pense qu'on va sauvegarder et puis on va y aller. Perles et courants. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Les sections Alpha nous trompent. Elles sont contrôlées par les DOMS et profitent de la débâcle générale pour enlever des innocents. Grâce à Double H, nous connaissons le cheminement des victimes sur Ilis. 1. La fabrique de Nutri. 2. Les anciens abattoirs dans des navettes. 3. La Lune dans un cargo croiseur. Nous devons mettre un terme à ce cauchemar. Chaque preuve du complot nous apportera davantage de soutien de la part du peuple. Un soulèvement général nous permettrait de renverser les sections Alpha. Salut, Filt. La révolte s'éteint. Pareux. Nous pouvons peut-être mettre fin à la guerre. Pour ça, il nous faut des preuves photos pour savoir ce qui se passe à la fabrique. Des photos des victimes, des photos des sections Alpha sans leur casque pour connaître leur vrai visage. Ah, c'est chaud. C'est là que tu interviens, Jade. Tu reprends la mission de Double H. Voici son dernier communiqué.
19h23, je suis dans l'enceinte interdite. 19h30, j'aperçois les navettes qui vont et viennent de la plateforme supérieure. 20h03, j'ai réussi à pénétrer dans la fabrique. 20h50, je suis épuisé. J'ai dû nager au moins 3 km. 21h10, je suis dedans. Ça y est, je vois les caissons noirs. Du bruit. Je pense, ouais, on se fera ça. Ils ont dressé un faucheur. La présence de cet animal et les rayonnements Sigma sont la preuve de l'existence d'un mangeur d'esprit. Ok. Ce sont ces derniers clichés. Depuis 4 jours, plus rien. Silence radio. WH était notre meilleur reporter. Il a fait énormément pour nous. Grâce à lui, le réseau Iris a pu entrer en contact avec le gouverneur d'Ilis. Le gouverneur est radicalement opposé aux sections Alpha et à leur méthode, mais elle ne peut agir à découvert. Elle est prête à nous aider si, de notre côté, nous faisons progresser la vérité. Et si de plus en plus d'Iliens font confiance au réseau Iris. Qui t'en a parlé? De quoi, Filt? Si tu tombes sur une porte de ce type, photographie-la et envoie la photo au gouverneur. Ah non, c'est moi, je pense, on va faire ça. Créer des maps sur Trackmania et puis après, les gens de la Web TV vont essayer de faire ça. Comptons sur toi, Jade. Sois prudent. Ok, pas de soucis. Piquable. Bon bah écoutez, on va sauvegarder là, je pense. Filt, est-ce que t'es prêt à reprendre la relève ou pas encore? Hop. Ouais, écrasé. Impeccable. C'est Kini? Ok. T'es prêt, Kini, ou pas? Est-ce que Kini est prêt? Ah, doc. Je suis pas streamer, mais go. On verra, on verra. Prends ton temps, t'inquiète pas. Non, mais en fait, justement, c'est que en fait, le système de sauvegarde est uniquement fait avec des machines comme ça. Et du coup, si je veux sauvegarder la progression, il faut avoir une machine comme ça. Et si dans 10 minutes, j'ai pas de machine comme ça, on peut être dans la merde. Donc, savoir si toi t'es prêt à reprendre tout de suite après que j'ai coupé ou non. Donc voilà. Vu que maintenant j'ai sauvegardé ici, savoir. Ok. Bon bah je pense qu'on va que je vais arrêter ici, moi les gens. Comme ça, Kini aura fait tout un dernier rush. Pas du tout, Filt. Pas du tout. Non, un rush. Tu vois, j'ai commencé la dernière mission à 21h10. Donc tu vois, ça dure à peu près 40 minutes. Donc si je dois faire des... encore une mission, on en aura pour 40 minutes. Donc on va éviter. Bon allez, du coup, je vais quand même sortir pour avoir une belle vue du bordel. Jade, il faut que tu choisisses un nom de code pour signer tes articles. Shoni. Ok. Et ben voilà. Bon bah je pense que sur ce, on va se laisser. Je vous fais des gros bisous. Et puis et ben je pense qu'on va arrêter là pour le jeu de ce soir. Je vous dis à très vite. Pour un nouveau stream, d'ici 2 jours, normalement, c'est vendredi. Ouais, vendredi, je stream. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau stream. Et d'ici là, bah, portez-vous bien, écoutez. Allez, ciao tout le monde.
Thank you.